Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le septième épisode de notre petit let's play sur Scrapnote. Jeu vraiment très sympa, hein. Depuis que je l'ai commencé, on s'amuse. Enfin, en tout cas, moi, je m'amuse vraiment bien. Ça a l'air de vous plaire aussi. Donc, on doit aller parler à Rusty. C'est le nouvel objectif, hein, depuis qu'on a été récupérer les ressources dans le désert, les ressources qu'il nous avait demandées. Et donc on va aller faire ça de suite. Et ensuite, on va voir quelle va être la suite à donner dans nos petites aventures. Allez, c'est parti. On va courir un peu, hein, tant qu'à faire, pour gagner du temps. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir le réparer, ce Rusty? C'est peut-être pour ça qu'il nous a demandé des pièces, je sais pas trop. Alors, j'ai trouvé une boîte avec des pièces, elles ont l'air utiles. Bien joué, donne-moi un jour. Tu vas pouvoir bouger? Oui, rejoins-moi au mur sud du biome du désert. Je t'aiderai à passer de l'autre côté. Ok, je te retrouverai là-bas. Bon, ok, on a perdu les pièces, logique. Alors, donc du coup, si on regarde un peu la map et qu'on dézoome, il va nous ouvrir l'accès à la troisième zone qui a l'air... bah, c'est la plus grande des trois, hein. Elle est un peu moins haute, mais elle fait la largeur des deux autres. Et par contre, du coup, on a encore énormément de POI à découvrir. Donc, en allant à ce mur sud, on pourra faire la totalité de ça. Et là, je pourrais me TP pour aller faire à la rigueur les 5 du haut. Vu que je suis plus ou moins vide au niveau de mon inventaire. Donc, je pense qu'on va faire ça, les loulous. Vu qu'il faut attendre le lendemain. Et qu'on est plus ou moins en début de journée. On peut se faire ça tranquillement. On va aller au TP. Le TP qui est... Là normalement c'est la... Ah oui c'est ça. Bon le truc de creuser je m'en fiche un peu. Alors que j'aille au bon endroit. C'est par là. Voilà. On va se TP dans le désert. Ça c'est quand même un sacré gain de temps. Carte. Donc on vient ici. Le TP il est là. Et on est parti. J'aime pouvoir gratter peut-être un peu de temps et aller directement. Je vais vous montrer. On va peut-être aller faire celui-ci en premier et après on va remonter. Allez, c'est parti. Je vais m'équiper de cette arme au cas où. Impeccable. Alors on a ça. On prend tout ça pour le moment. Je trierai après s'il y a besoin. Hop. Manger. Il n'y avait pas grand-chose. Ok. Belle bête. Il nous a bien fait mal. C'est un gros POI en fait, hein. Ok. Alors surtout, ce qui est important, c'est de récupérer toutes les ressources. Et surtout, pas louper des livres. Voilà, les petits livres comme ça. Alors par contre, j'ai intérêt... Alors déjà, on va se régénérer comme ça. Parfait. Je casse pas les petits pots, hein. En général, il n'y a rien d'intéressant. Je dis bien en général. Alors, maître de technologie, j'ai eu un succès Steam, ce qui veut dire que j'ai peut-être passé un cap. Petit truc d'oxygène. Dans les bibliothèques, il n'y a jamais rien d'intéressant. Donc ce que je voulais regarder, c'est ici. Je suis effectivement à 21. C'est plutôt sympa. On avance bien. On est toujours un peu à la rue au niveau de l'alchimie, mais bon. Je pense pas que ce soit très gênant. Est-ce que j'ai fait le coffre? Oui, j'avais fait le coffre, oui. Ouais, c'est bon. Du coup, là, je vois rien de plus qui pourrait nous servir. On va pas faire de combat inutile.
Ça m'a l'air good. Alors, on se remet orientation nord. Hop. Et donc maintenant, on va pouvoir aller bah, tout là-haut, plein nord. C'est parti. D'où l'utilité de bien s'orienter. Alors, les ennemis font bien mal ici, hein. Il va peut-être falloir que je commence à regarder pour me faire des nouvelles tenues. Parce que je me dis que dans la dernière zone, ça va sacrément piquer. Il y a des chances. Voilà. On prend ça. Encore un temps. Alors, c'est une mine ici. Ok. J'avais pas vu la potion. Donc, ensuite, prochain objectif, on peut aller à droite. C'est parti. Alors attention, il y a de l'ennemi. Mon armée était cassée. Il y a au moins deux ennemis. Bah, ils font mal, hein. Ils font vraiment mal. En dessous, il y a ça là, ça là, ça là. Je suis sur quoi? Je suis bien sur mon épée. Oh! Raffinerie débloquée. Ah! Alors c'est rare de tomber sur des plans. Je dois bien avouer. Faire hein, parce que ça je l'avais pris, on n'est pas trop mal. Je vais reprendre une potion et du coup j'ai fini ce POI plus ou moins. Voilà, je pense que j'ai rien oublié à part les une petite potion là. Un POI très intéressant du coup, hein, ma foi. Donc maintenant, on va monter plein nord. On a deux POI supplémentaires à faire. On va vite y arriver. Alors voilà un premier où ça risque d'être... Ah d'accord, c'est une zone constructible. Et du coup, il doit y avoir juste à côté le TP. Je suppose. Alors le problème c'est que j'ai pas mes cristaux rouges. Et oui. Ça c'est un peu con. Bon, en même temps là-haut, je pense pas que j'y retournerai spécialement, hein, donc c'est peut-être pas bien grave. Et j'ai pas vu de. Attendez, je regarde, mais je n'ai pas, non. Voilà, on s'est remis à fond de vie. J'ai pas croisé de cristaux rouges dans la zone. On a trouvé du bleu, mais plusieurs fois, mais c'est tout. Donc il nous reste un POI à faire là, c'est ici. Et après, je suis jamais passé par ici. On pourrait peut-être rentrer par là. Ou alors on revient au TP, je sais pas trop. A pas vu, c'est bon. Ouais, c'est pareil, les trucs à creuser, je laisse un peu tomber. C'est jamais non plus très intéressant. Malheureusement, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. C'est pas intéressant. C'est mon avis perso, hein, mais. Voilà, encore des cristaux bleus au-dessus de nous. Je crois que les rouges, ils sont vraiment qu'à des endroits bien précis. Et surtout dans les mines après. Nouvelle mine justement. Nouvelle mine. Alors je peux toujours aller voir dedans. S'il n'y a pas un. S'il n'y a pas un bleu. Un rouge directement accessible. Ça n'a pas l'air. Surtout, voilà, il va y avoir du moche.
Bon bah c'est pas grave. Ok. En tout cas, au niveau mine, il y a de quoi faire. Hein. Alors il y a ça que j'ai pas récupéré. Et donc, on arrive tout doucement. Bah, je pense qu'on va aller plein sud. On va TP. Pour rentrer chez nous. Et il nous restera 6 POI quand même dans cette zone. Ce qui est pas rien. Et on va surtout aussi regarder, on rentre à la maison, bah on va ranger déjà, et on va regarder la raffinerie là qu'on a débloquée. À quoi ça peut bien servir? Et d'où l'intérêt de bien fouiller chaque zone hein, pour ces fameux plans. Ça paraît... primordial, j'aurais tendance à dire. Alors le TP il est à gauche. Tac. Ok, et donc nous on veut retourner ici. Parfait. On arrive en fin de journée. Et ça va être l'heure du rangement. Alors. Je sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression que les stacks augmentent petit à petit. Je me demande si c'est pas lié aux connaissances. Enfin, je sais pas trop. Organisation, peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas l'info de ce que ça fait, mais... Mais je pense que c'est lié à ça, je pense. Parce que mon nombre de stacks augmente au fur et à mesure de quelque chose. Et je vois pas de quoi d'autre ça pourrait être, en fait. Alors là, on a eu pas mal de nourriture. J'ai de la pierre, du charbon. Alors ça, ça va là. Du bois. Il me manque une arme. Je vais récupérer celle-là. Et je vais peut-être garder celle... Non, je vais mettre celle-là. Et je vais garder celle-là pour le moment. Ici, ok. Ici, on va mettre ça et ça. Après, là-haut. Non, là, il n'y a rien. Potion, oxygène. Et il me resterait ça encore à caler. Je vais les caler là. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, je vais garder les cristaux rouges avec moi. Ça peut toujours servir. Et je voulais regarder donc ce que j'avais débloqué. La raffinerie, là. Ça n'a pas l'air d'être ici. Un walker. Oh, ça nous permettrait peut-être de nous déplacer plus rapidement, ça. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ce truc-là? Du titane. Météorite. Des lingots de météorite. Et puce électronique bleue. Ouais, donc je peux pas le faire. Alors, la raffinerie, réservoir de carburant. Vous pouvez stocker votre carburant. Ça, je pourrais peut-être le faire. Bois et... Mais je sais pas ce qu'on stocke, en fait. Mais je vais le faire, par curiosité. Le bois, ici. Tac. Je peux y stocker mon carburant. Je... Carburant de quoi en fait? Je vois pas trop. Je vois pas l'idée. 0 sur 4. Je ne sais pas. Là, j'avoue que je comprends pas trop.
Donc ensuite, alors on va refaire un par un. Champ marmite, puits, on connaît. Pot de fleurs, on s'en fiche un peu. Machine à graines, on a fait. Carré de queue. Pot pour arbre. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas fait. Mise en conserve. Ok, l'épouvantail, ils s'en fichent un peu. Je vois pas à quoi il sert. Ah, c'est pour pousser plus vite. Ok. Et réservoir d'eau. Bon, pas d'utilité non plus. Dans les constructions, bon, bah, c'est vrai qu'on est resté sur le bois, hein. On pourrait passer à la ferraille. Mais du coup, il faut. C'est du fer en grosse quantité. Et il faut beaucoup de ferraille. Ça peut être un des objectifs. Ensuite, on a le mithril, le titane, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ici, donc, lampe, moulin, batterie, fourneau électrique, la tourelle, arroseur, tourelle, encore tourelle et tourelle, 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 repousseur et téléporteur. Alors, c'est vrai que j'utilise jamais le téléporteur de la base, alors que je peux rentrer directement. J'oublie complètement ce truc. C'est n'importe quoi ce que je fais. Alors par contre le nouveau plan qu'on a. Ah c'est peut-être ici? Non. Ça c'est les plans. Mais je sais pas où on le craft en fait le nouvel item qu'on a eu, c'est bizarre. Je l'ai appris, mais j'ai pas l'impression que je l'ai. Alors, à moins que ça se fasse dans une table de craft, ça me paraît bizarre. Bon, là, j'ai rien. Ici, j'ai rien. Alors, c'est peut-être ici qu'il va falloir commencer un peu à regarder ce qu'on peut faire. Ça, c'est du titane. Encore du titane. Titane. Platine. Platine et fer. On pourrait essayer de se faire cette tenue ou celle-là. Platine. Fer. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? On va être un petit peu plus costaud. Ça, je peux. Il faut du tissu. Regarde si je peux faire la tenue complète. Donc 5 et 3, 8. 8 et 4, 12. Et je peux tout faire. Parfait. Du coup, voilà, je suis beaucoup plus résistant à mon avis. Armure 55 alors que j'étais à 14. Ah ouais. Ah ouais, on va encaisser. On va encaisser ces verres. Toi, je te récupère. Je range tout ça. Voilà. Le tissu, le bois. Non, c'est pas là. Bois, tissu. Et ça, qu'est-ce que je vais en faire? Ça, je peux rien en faire. Les items, on peut pas les détruire. Non. Bon bah on va aller. Je vais les lâcher. Hein. Ça me sert plus à rien. Ok. D'ailleurs, du coup, ça me sert plus à rien non plus. Et je vais peut-être pouvoir. C'est où que j'ai mis des trucs qui sont pas à leur place. Genre toi, je vais te mettre ici. Voilà. Et. Toi, je te mets là. Ok. Alors, ensuite, on va dodo. Quête mise à jour, partie sauvegardée. Donc, je dois aller voir Rusty. Alors, par contre, je dois aller le voir au sud. Hein. Donc, on est parti. On va se TP, bien sûr. Et on y go. Alors, j'ai deux, trois armes sur moi. Ah, juste que je pose, pardon. Je me suis pas complètement vidé. Voilà, je pose ça. C'est pas grand chose, mais bon. Juste attendez, je revérifie un truc. Non, 1 sur 1. Ok, eh ben tant pis.
La raffinerie, je vois pas comment on la craft. Je ne sais pas. Le TP, le TP, je l'ai complètement dépassé. Alors j'ai pris les cristaux rouges justement pour débloquer des TP, hein. Donc on doit aller ici. Bim. Et donc sur la route, on va faire les POI. On est parti. Alors je devais faire celui-là en premier. Donc complètement à l'est et un peu au sud. Est-ce que je farmerai si je trouve du fer? J'en ai pas besoin. Le platine, je pense qu'on va le trouver que dans les mines. Ça paraît très logique. Alors ici, ok. Un coffre. C'est pareil là pour l'instant, je prends tout. Ferraille, bouffe. Est-ce que je prends le cristal bleu? J'en ai pas mal du cristal bleu. Je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, on va descendre plein sud. C'est parti, en évitant les ennemis, tant qu'à faire. C'est une mine. Et ramasse-moi ça. Je suis forgeron. Trop loin. Bah tant pis alors. Qu'est-ce qu'il me raconte que je suis trop loin? Vraiment? Ah bon bah écoute. Donc apparemment j'ai débloqué aussi ceci. Je vous montre. Donc forgeron forge. Voilà, je pense que c'est à partir du niveau 20. On est à fond et regardez organisation, j'ai encore trouvé un bouquin donc on va voir si on stack à un de plus. Faudra peut-être le vérifier avec la ferraille. C'est ce qu'en général on peut récupérer le plus. Donc après normalement il y a un POI à gauche. Alors là il y a une grosse base. Ennemi ici. Oh avec des qui donnent des cristaux bleus. Carrément. Ok, on va tuer tout le monde. Là, il n'y a rien d'intéressant. Alors là, il y a plein de cristaux. Et j'ai mon arme qui a cassé. Ok, on a tout tué. Allez, on va ramasser tout ce qu'il y a à trouver. Là, il n'y a rien. Des bouquins. Bouquins. On est à 24. Le stack jusqu'à présent qu'on avait, c'était 29. On a trouvé des graines. Ok, donc il y a un bâtiment ici. Et après, il y a l'air d'avoir autre chose. Alors on va manger. Voilà, comme ça on s'est remis full vie. Je suis à 28. Regardez, on stack à 30. Donc c'est ça. En fait, le stackage se fait avec l'organisation. Et en plus, là, on est passé à 21. Je vais peut-être pouvoir stacker du coup à 31. Ok, donc ici on est bon. Et après là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je peux pas y aller. Alors il y a l'air d'avoir des cristaux, mais je pense que c'est juste de la déco. Allez, on stack à 31. C'est génial en fait, hein, le système. Au début, on est nul, on sait pas stacker les items. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu,
Et bien on apprend à les stacker. Donc là, on a à nouveau un POI ici, puis après on va descendre comme ça. Donc je vais aller plein sud-est. C'est parti. On est quasiment à fond de vie. Hop, 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 hop. Il m'a pas vu. Il m'a vu, c'est pas grave. Il va nous lâcher au bout d'un moment. Et le POI, il est au-dessus de nous. Et donc ici, il n'y a personne. Parfait. Allez, on ramasse tout ça. À manger. Et on peut pas rentrer dans le bâtiment. Ah si, j'avais pas vu la porte. Et on est full au niveau de l'inventaire. Je vais pas pouvoir prendre la potion. Alors, de quoi va-t-on se débarrasser? Des graines. Des graines, je peux en faire autant que je veux. Ça, on va le manger. Et pour l'instant, c'est pas mal. On va prendre la petite potion. Si on est bon. Alors ensuite on descend sud-ouest pour les deux prochains POI. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un téléporteur, non? Je pense. C'est clairement ça. Ça on répare. Coffre. Je prends que ça, les graines je laisse. Je prends ça et je prends ça. Voilà, et j'ai rien oublié. Et donc ça va être une zone de construction, j'imagine, là. Même pas, non. Donc Rusty, il est là. Pas maintenant, ok. Bon, bah on va pouvoir lui parler. Alors la route qui mène à la prochaine zone passe par les mines. Je t'attends à l'intérieur. Alors là, par contre, ça va être intéressant de faire du platine. Du mithril, pardon. Mais surtout du platine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il faut que tu démarres ce moteur d'une manière ou d'une autre. Il a l'air bien, mais il est sans carburant. Où puis-je trouver du carburant? Je pense que nous devons le produire nous-mêmes. Ah! Tu devrais trouver un plan pour construire une raffinerie à l'endroit indiqué sur la carte. Mais c'est déjà fait. Je pense que cela sera utile de nombreuses fois pendant le voyage. Je t'attendrai ici. Bonne chance. Alors du coup, est-ce que j'ai débloqué la raffinerie cette fois? Alors je vais prendre ce mithril parce que j'ai de la place. Il va falloir que je me TP à la base. Il va falloir que je reprenne une pioche aussi. Là, il n'y a rien d'intéressant. Cuivre, de l'or. Ouais, mais si je refais de l'or, il me faut une place. Je vais jeter. Alors franchement, la potion d'oxygène, aucune utilité. Alors, est-ce que je pouvais pas faire la raffinerie parce qu'en fait, on est censé la récupérer via une quête. C'est bien possible. Et du coup, ayant déjà trouvé le plan, ça me l'a validé et maintenant je dois juste la construire. On va être fixé en revenant à la base. Alors, est-ce qu'on peut se TP là directement? Ok. Eh bien, on va mettre mince ça en place. Voilà. On va commencer par l'or. Parfait. Ensuite, ici. Tac.
Tac. Et tac. Ah, je peux pas tout mettre. J'ai un peu trop de ferraille. Ok, ça ici. On va ranger les cristaux. Les cristaux, c'est pas là. Cristaux bleus, truc d'oxygène. Ça, je vais le mettre là en attendant. Il me faut une nouvelle pioche. Donc, toi, je te prends. Le nonos. Alors, j'ai une nouvelle arme là. Celle-là, elle est morte. On va mettre celle-là ici. Je vais pouvoir ranger le charbon. Tac. J'ai pris la nouvelle pioche. Je peux ranger ça. Je refais les stacks, hein, les loulous. Parce que sinon, ça se stack pas, en fait. Les compos que j'ai. Là, ça s'est stacké. Ok. Il y a des endroits où il faut que je restack. Vous voyez, genre les champis là. Impeccable. Ok. Ensuite, ici, ça s'est stack. Il n'y a pas de souci. Les barres en or. Ah, je vais mettre ça là. Hein. Ok. Raffinerie du coup. Alors. Ah non, ça doit être ici. Toujours pas. J'espère que ça m'a pas fait bugger. Là, j'ai pas de nouveau plan. Là non plus. Ah, alors ça va être problématique. 1 sur 1. Qu'est-ce que me dit la quête? Construisez une raffinerie. Portail. Ah, les outils en mithril. Wow. Météorite. Bah, je suis embêté. Je suis bien embêté. Je n'ai pas le plan. Sur ma map, j'ai pas d'indicateur de quête. Dans mon carnet, prenez un plan. C'est fait. Ça me l'a validé. Attendez, soit je suis nul, soit on va faire truc par truc, hein. Là, il n'y a pas. Là, c'est que des constructions, on est d'accord. C'est 4 pages identiques, mais avec des skins différents. J'ai pas de raffinerie. Oh, la tristesse. J'ai dans l'os là, c'est ça en fait l'histoire? Parce que j'ai récupéré le plan avant, ça a fait bugger le truc? C'est pas possible en fait. Je suis dégoûté. Alors là, je suis vraiment dégoûté. Si c'est ça, je suis vraiment dégoûté. C'est quand on quitte, ça fait pas de sauvegarde. Alors, vous savez quoi les loups? Je vais faire une nouvelle sauvegarde. J'ai pas fait de sauvegarde hein, dans cette partie. Vous voyez les dates. Hein. Et je vais quitter. Vous allez voir ça en direct. Je vais recharger ma nouvelle sauvegarde. Donc celle du 27. Et on va voir si ça débloque le truc. Si ça débloque pas, je vais être obligé de refaire tout ce que je viens de faire. Mais hors caméra. Vous voyez qu'il est bien jaune hein, le truc. Il revient tout doucement au vert. Mais sans prendre le plan à l'avance. Ah ouais, parce que là, en fait, j'ai clairement fait bugger le truc. Ah, le dégoût. J'ai toujours ce petit arbuste qui respawn quand. Bon, et eh ben, du coup, on va s'arrêter là, je pense. Et je m'en remettrai à ce niveau-là pour le prochain épisode.
Enfin, va falloir juste que je reprenne ma vieille sauvegarde et que je teste cette chose-là. Donc, il va falloir que je refasse les POI qu'on a fait ensemble. Et je vais essayer de refaire à l'identique. Je vous garantis pas que ce sera à l'identique, mais je vais essayer. C'est-à-dire qu'il faudra que je fasse fondre le minerai aussi, etc., etc. Si je peux, je débloquerai le TP du haut que j'ai pas débloqué et je prendrai les cristaux rouges sur moi cette fois. C'est la seule petite différence qu'il y aura. Mais là, je vois pas comment faire autrement. Vraiment. Donc je vais finir l'or avec vous là. Voilà, histoire de. Hop, de faire l'or ensemble. Et puis bah voilà, c'est un petit peu dommage hein, qu'il y ait ce bug. Je vais revérifier quand même, mais. Une dernière fois, là il n'y a rien de nouveau. On est d'accord, là non plus. Là non plus. Il y a le même compte de craft, là pareil, et là je l'ai pas. Ok, eh bien on fera dans l'ordre. Le POI que j'aurais découvert, je ramasserai pas le plan cette fois. Promis juré, craché. Et puis bah voilà, on n'aura pas le choix. Donc les loups, on va se quitter là-dessus. Je suis un petit peu triste de devoir refaire ma partie, mais c'est comme ça. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Bon, c'est un petit inconvénient. Il faut pas forcément du coup visiter tous les POI en avance comme je le pensais pour trouver les plans, parce que ça fait bugger. C'est prévu dans l'histoire, donc bah quand ça vous. Si jamais vous vous lancez dans le jeu, ne vous faites pas avoir. C'est un bon moyen de vous avertir de ça. Et puis bah j'espère comme je disais que la vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Allez, ciao tout le monde!